Alors, vous savez que j'organise le SAL du Nouvel An, qui commencera le 1er janvier. Je refais une vidéo après pour vous donner les dernières explications de ce SAL. Et j'organise aussi le CAL de la couverture météo. Donc, je vous remettrai les liens des deux vidéos et les liens du groupe. De mon groupe Facebook pour nous rejoindre pour faire ce SAL et ce CAL. Si vous n'avez pas Facebook, c'est pas grave, hein, vous pouvez le faire également. Aujourd'hui, une petite vidéo parce que je voudrais mettre un petit challenge en route. Voilà, qui va durer toute l'année également. Mais là, vous n'aurez pas grand-chose à faire, vous inquiétez pas. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est de vous trouver un bocal. Bon, là pour l'instant, je sais pas si je vais garder celui-là, mais bon, pour la vidéo, voilà, j'ai pris mon bocal à confiture. Alors, pourquoi? Parce qu'on va se faire un petit challenge sur l'année. On fera une petite vidéo une fois par mois, voilà. On va appeler ça le challenge du bocal des fils de lumière. Voilà. Pourquoi? Alors, ça va être pour les brodeuses, hein, principalement. Peut-être que certaines d'entre vous le font déjà. Hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein, ça existe depuis longtemps. C'est que quand vous brodez, ben vous avez votre petit bocal près de vous et tous vos petits déchets de fil, voilà, vous allez les mettre dans ce bocal. Donc, vous n'allez pas le vider, hein. Il ne faudra surtout jamais le vider jusqu'au 31 décembre de l'année prochaine, voilà. Et tous les mois, ben, on se fera une petite séance photo. Je vous demanderai de me faire une petite photo. Alors, soit vous me faites une photo toute simple, hein, comme ça, ou alors vous me la mettez un petit peu en décor, si vous le souhaitez, vous ferez ce que vous voulez. Vous me ferez juste une photo, donc une fois par mois. Donc, on va commencer pareil le 1er janvier, hein, puisqu'on commence une broderie le 1er janvier. Et les fins de mois, bah, je vous m'enverrai la photo de votre bocal. Voilà, et puis on verra au fur et à mesure comment il va se remplir, les couleurs qu'il va prendre, puisque de toute façon on va utiliser des fils de toutes les couleurs tout le long de l'année. Donc vous le prenez, alors la taille que vous voulez, confiture, un pot, n'importe quoi, tant qu'il se ferme, hein, il faut qu'il se ferme. Si vous voulez décorer votre bocal, alors laissez-le transparent quand même, hein, pour qu'on puisse voir. Ou même si vous voulez faire que décorer sur une moitié, par exemple là, vous pouvez décorer, mettre en peinture, par exemple. Mais il faut qu'on voit quand même une peinture, un côté transparent pour voir vos fils. Décorer le couvercle, voilà. Lui mettre un petit ruban autour. Faites ce que vous voulez. Mais bon, au moins c'est plus joli, voilà, si c'est décoré. Donc voilà, donc mon petit challenge, vous prenez un petit bocal, vous commencez déjà maintenant à le décorer, voilà, et justement, une fois qu'il sera décoré, vous m'envoyez tous la photo de votre petit bocal. Et moi, je ferai une première vidéo diapo avec tous les bocaux que l'on aura préparés tous ensemble. Donc, j'espère qu'on sera nombreux et nombreux et nombreuses à le faire. Et puis, je pense que ce sera joli à voir. Voilà. Même si vous pouvez mettre des fleurs sur votre couvercle, vous pouvez mettre des petits personnages, vous pouvez mettre de la dentelle, vous mettez ce que vous aimez, vous faites à votre goût. Vous me décorez votre petit bocal. Il faut qu'il reste transparent, par contre, pour qu'on voit vos fils. Voilà. Je vous dis, pourvu qu'il y ait au moins la moitié qui est transparent. Ensuite, ou alors vous laissez complètement transparent, comme ça on pourra voir de tous les côtés. Tous les mois, le dernier jour du mois, vous m'enverrez votre photo
avec où en est arrivé votre bocal avec vos fils. Voilà. Bon, c'est un petit truc rigolo hein, qui sert pas à grand chose. Juste à mettre nos petits fils dans notre petite poubelle bocale. Voilà. Mais j'espère que vous allez accepter de jouer le jeu avec moi. Donc, vous pourrez m'envoyer vos photos soit par avec mon email que vous avez sous la vidéo, ou soit par le Facebook ou par le groupe qu'il y a sur Facebook, hein, le groupe À vos aiguilles. Je vous remets tous les liens en barre d'infos. Et puis comme ça, bah, là, le 1er janvier, je montrerai vos bocaux, voilà, décorés. Et puis tous les derniers jours du mois, vous m'envoyez vos photos. Et moi, je ferai la vidéo diapo qui sera en ligne tous les premiers de chaque mois. Puisque si vous m'envoyez votre photo le dernier jour du mois, il faut quand même le temps que je monte la vidéo. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce petit challenge va vous plaire, que vous allez jouer le jeu un petit peu. Bon, c'est rigolo, puis voilà. Donc, on le démarre le 1er janvier également. Mais vous pouvez déjà, mais commencez déjà à décorer votre bocal maintenant, pour que vous puissiez m'envoyer les photos de vos bocaux au plus tard le 31 décembre. Voilà, et comme ça, moi, le 1er janvier, je mettrai la vidéo de tous vos bocaux en ligne sur mon YouTube. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. Dites-moi hein, si vous n'en avez rien à cirer, ça se peut, ou alors parce que vous ne faites pas de broderie. Dites-moi si vous allez le faire, si vous n'allez pas le faire, si vous aimez bien l'idée, si l'idée vous en fichez. Voilà, dites-moi tout. Voilà. Allez, je vous fais à tous des gros bisous et j'attends toutes vos photos de vos bocaux décorés. Et le 1er janvier, on démarre à mettre nos petits fils dedans. Voilà. Allez, gros bisous à tous. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo pour en parler autour de vous. N'hésitez pas non plus à me liker, à me mettre des petits pouces. Voilà, comme ça, ça fait connaître la chaîne. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous, bisous.